Radio. Merci d'avoir bien rempli la salle du Palais Stéphanie pour la séance des longs courts-métrages, des moyens-métrages. Thank you for being... C'est absolument doux, magnifique. Je vous demande d'accueillir Louis Garrel, le metteur en scène du Petit Tailleur, et bien sûr le grand tailleur que vous avez mis dans le film. Il y a une chose dont je ne doute pas, c'est que je suis très content d'être avec Albert, que je connais depuis que j'ai à peu près 15 ans, que j'ai réussi à mettre en boîte. Et voilà, alors sinon je suis tout à fait heureux, Frédéric. Par contre, ça m'a hyper angoissé, vous avez dit que le film, genre, il est bien et tout ça. Mais après, ils sont que déçus. C'est-à-dire qu'après, quand je fais à manger, par exemple, je dis jamais c'est bon. Je dis toujours, écoute, j'ai l'impression que c'est pas mal salé. C'est pas mal. J'ai dit que je doute de tout, de moi-même, je suis confus, excusez-moi. Je veux dire autre chose aussi. Tu veux dire quelque chose, Albert? Oui, bien sûr. De ce moment, je suis très ému d'être là. En tout cas, j'ai fait ce film avec Louis. Je suis très, très heureux d'avoir fait cette expérience à 84 ans. J'en ai 85 aujourd'hui. Mais moi, je dis ça. Je ne doute pas de lui. Oui, comme son père, bien sûr, que vous connaissez bien Philippe, ça sera un grand, grand bonhomme. Il n'y croit pas, mais il faut l'applaudir encore.